Yo tout le monde, on se retrouve sur Fast and the Oblock pour VSP 6. Donc on va tout de suite commencer. Alors là, comme à chaque fois la précédente, on est arrivé ici au port du bateau. On récupère la carte. C'est fait. Munitions, surcharge. Lorsqu'on a fait le tour, il y a un... Allez, c'est parti. Deux signaux. Alors, tu le gardes. Disco. Ok, là, mais. Y aller, je vais en accélérer la vidéo. Ça ira plus vite, ça me prendra moins de temps, c'est juste du combat, donc pas de recherche ni rien. Ça va être rapide normalement. Alors dans mes prochains let's play, j'essaierai de faire vraiment au max 20 minutes de let's play parce que je trouve que c'est un peu trop long. Donc le let's play de First Aid, c'était vraiment en exclusivité que c'était aussi long. Donc sur The Elder Scrolls Online qui va bientôt arriver après ce let's play sur First Aid The Blood, je ferai maximum 20 minutes. Bon, on a presque fini. Quelques ennemis qui nous font encore chier là. Voilà. On va trouver les deux commandants pour que le signal soit interrompu. Allez, on les cherche. Ah, je les entends. Ok. Une autre vidéo. Ok, et là, voilà, il y a plus. On a fini. Je pars tout voir s'il y a pas des trucs. Lingot d'or. Bon, là, on peut pas. Charge de vie, manque l'armure. C'est par là. Vérifiant. Ou s'il n'y a pas autre chose. Allez, c'est parti. Il y a dans l'eau là. Il n'y a pas quelque chose dans l'eau. On va faire ça tout de suite.
C'est vrai qu'on n'a pas sauté dans l'eau au début. Peut-être que c'était intéressant de voir au début ce qu'il y avait dans l'eau. Donc je sais pas si on y va y retourner ou pas, je sais pas. Échelle. Et on prend l'échelle. Après il y avait. Je suppose. Ah, c'est difficile à trouver. Alors s'il n'y a pas un petit trou. Monter là. Non. Ah là là, ouais. Du coup, c'est là. Lingot d'or. Ouais. Bon, bah, on va monter. Voyons au moins une scène qui n'est pas ralentie, ça fait toujours plaisir, je pense. Après, donnez-moi vos avis. Comme d'habitude, j'arrête pas de répéter en commentaire et voilà. Ah, école, ok. On va recharger. Il y en a un autre. Hey. Le cacher. Cette ville est complètement envahie par les nazis. Vous devez faire très attention. Tuez seulement en cas de force majeure. Comment? Je dois tuer un maximum de nazis? Non, je vous ai dit de ne. Chut, je vous entends plus, Kessler. La liaison est brouillée. En mettant sur les autres. Je peux savoir plein de trucs. On a fait le tour. Lingot d'or. Ouais, j'ai bien fait de. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok, une carte. Le signaux, ça veut dire qu'il y a des nazis. Bon, les accès à la car là, il y a des boss et des nazis.
Un jeu gratuit, plusieurs. C'est vrai que c'est assez rapide. J'ai accéléré. On va bientôt descendre en bas. Ça bouge plus. Ah si, redonne là là. Donc ça veut dire que j'ai tué un officier et l'autre. Ah bah ça me fait tout désigner, ok. Alors on tue rapidement. Voilà, allez, derrière. Ok. Cette arme, je sais pas si elle va me servir. Et il y a deux armes en plus. Bon, je la pose. Leur surcharge d'armes, c'est rare. On va monter voir ce qu'il y a en haut. Ok, moi c'est pas mal. Bon, ah, l'anneau d'or. Ok, on va là-bas. On a bien fait de monter en fait. Place de Wolfenburg. Donc ouais, on est dans la place. Ah, c'est le montant. Quand on va devoir donner de l'argent à tous les coups. Was? Er ist kein schlechtes Omen. Vielleicht räumt dieser verfluchte Stadt endlich auf. Aber solange ich dich habe, wird mir nichts passieren. Nichts. Nichts. Et... Allez, on se barre. Non, j'ai... Allez, on donne une pièce. On est gentil. Le bol, il est... Ouais, ok. Ah, peut-être quoi. Niveau cauchemar. Ça y est, me voilà devant la boulangerie Schmidt. Kessler, j'ai trouvé la maison de l'agent 2. Dieu merci. Contactez-moi dès que vous avez le dossier. Narcissen seeking in moonshine. Ouvrez la porte sur le flanc du bâtiment. La clé est sous une grosse pierre. Okay. Passez par la fenêtre du sous-sol. Oh bon.
là il y a le père et tous les coups il y a la clé comme voilà un double ring. Il n'y a rien, allez. Bonté divine, mais où est passé ton t-shirt, beau gosse? Pipa, c'est toi l'agent 2. Je suis l'infirmière Inga, ici. Je suppose qu'il va tout fermer, comme ça. Repose-toi un moment, je t'apporte du thé et des biscuits. Mais c'est gentil. C'est donc là qu'ils t'ont transféré. Oui, ça fait 6 mois. On s'était pas revus depuis la fête du QG. Ah, tu parles d'une soirée. Wesley m'avait renversé de la bière partout sur les nibards. Quel crétin, celui-là. J'ai essayé de le sauver, Pipa. Je sais bien, mon chou. Je suis désolée, mais les histoires vont tomber. Ce sera pour plus tard. Écoute, je sais ce que tu recherches, Blasco. L'homme qui est dans mon lit est l'un des larbins nazis d'Elgar. Avant qu'il ne s'endorme enfin, je l'ai fait parler un peu. Le dossier que tu recherches se trouve dans la chambre même d'Elga à la taverne de Wolfsburg. Alors, apparemment, c'est une grande amatrice de vin. Fais-toi passer pour un serveur et tu pourras peut-être t'approcher d'elle. Mais par pitié, va d'abord te mettre un truc sur le dos. Dans ce coffre-là. Et laisse tes flingues ici. Okay. Les employés de la taverne ne portent pas d'armes à feu. Je vais les garder bien au chaud pour toi. Enculé de nazi. Et les gens suivent ces connards comme de vulgaires moutons décérébrés. Ils méritent peut-être leur sort finalement. Il y a beaucoup d'armes. Ouais, je vais aider l'ouvrir la trappe. Les charnières sont rouillées. Tu peux venir m'aider, Blasco? Nage une dizaine de mètres dans ce tunnel et tu arriveras à un puits dans la cour de la taverne. Dès que tu as récupéré le dossier d'Elga, tu reviens me voir. Et fais pas ton intéressant en allant te noyer, espèce de gros malin. Bon. Et on y va. J'espère que ces charnières vont pas rerouiller trop vite. Ok, incroyable. Où est-ce qu'on... Ah, un chien. Ça sent mauvais. Je sens mieux. Moi je te réveille pas. Bon allez. Élimination. Je sais pas pourquoi il y a une caniche dans les parages. D'accord. Voilà, mais qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à le tuer. Allez, on va. Ma cousine tenait un bar à Mesquite. C'est là que j'ai gagné mon premier dollar. J'ai acheté des tonnes de sucettes avec. Je carburais au sucre à l'époque. On va t'habiller. Par le cuisinier. Bonjour. Allez, on va prendre le plateau. Que l'arbitre nous apporte. Ok, il y a une base.
Note. Hey, Ober! Frau Obersturmbannführer von Schaps ist hier. Hören Sie gut zu, Schreiber. So spricht man das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! General Strasse will Ergebnisse sehen. Ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden? Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie! Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fischchen. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Ouais, faut que je bois le vin. Il y a sur la table. Allez, je récupère le verre. Le bois, voilà. On passe sur la table, c'est pas empoisonné, tout le monde. Allez. Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Ça sent pas. Allez, goûte. Ah, ok. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Wo bist du? Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Calme-toi. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Parce que très cher et incompétent Schreiner. Il ne s'agit pas d'un serveur. Mais d'un espion. Merde. Vous pensiez vraiment m'impressionner avec votre allemand à couper le couteau? Allez, rendez-moi le dossier, Franz. Elle m'a découvert. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Vielleicht ein Couteau, aber okay. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est chapitre suivant. Voilà, chapitre 6, ruine. Ok, bon, ben c'est déjà la fin de ce SP6. Voilà, là on arrive. C'est impressionnant. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager, commenter la vidéo. Et à la prochaine.